Luca Marini, donc je travaille à la présidence du Sénat. Ce qui m'a inspiré, c'est la reconnaissance de ce concours, qui grandit, je pense, au fur et à mesure des éditions. Ensuite, c'est évidemment les membres du jury. Ce concours représente beaucoup de travail et beaucoup d'organisation aussi. C'est quand même 2 mois de boulot assez intense, de réflexion surtout. Parmi les 8 chefs finalistes, Luca Marini a su réaliser l'accord parfait entre les 3 produits d'exception du thème. Les produits du thème m'ont bien inspiré. Je disais la volaille, je pense que ça a inspiré beaucoup de monde. Ouais, l'oignon, j'adore ça, donc forcément, je pense que j'ai réussi à bien travailler dessus. Et le sang, je me suis dirigé tout de suite sur le boudin. Donc ce qui a été important pour moi, c'était le respect des produits. Une réalisation à la hauteur de l'exigence d'un jury intransigeant. C'était un marathon pendant 3 heures. Je suis content du travail que j'ai fait avec mon commis. Mais c'est surtout pour sa précision et sa passion du travail minutieusement exécuté que Luca Marini s'est aujourd'hui distingué, devenant ainsi le chef en or 2012. Ce qu'on veut au fond de nous, je pense, tout le monde, c'est d'être gagné, de gagner le concours, d'être reconnu en tant que lauréat.